Attends. On dit là. N'est-ce pas là mon habit que tu portes? Mais, oh, va vite l'enlever. Va vite l'enlever, non? Tiens, écoute un peu ce garçon. Donc, toi, Ekene, tu as maintenant la témérité. L'audace de m'ordonner d'aller enlever ta chemise, c'est ça? Exact, bien sûr. N'est-ce pas mon habit que tu portes? Hey! Ne suis-je pas celui qui l'a acheté? Va vite l'enlever. Ok, laisse-moi te poser une seule question. C'est ma bouche là que tu penses. À qui elles appartiennent? Mais c'est les miennes, bien sûr. Qui les a achetées pour toi? C'était toi, mais sois moi. Tu me les as déjà données, oui. Va enlever le t-shirt. Arrête de m'embrouiller, laisse-moi sortir. Hé, hey, enlève ça vite. Ah, tu pars avec moi. Tu n'as plus de respect, toi. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu penses que je te l'ai. Tu vas voir. Je vais te frapper très fort. Je vais te faire très mal. Tu vas sortir aujourd'hui. Tu vas sortir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais te faire très mal. Arrêtez. Je vais te faire très mal aujourd'hui. Arrêtez. Je vais te faire très mal. Je vais pas avoir mon temps. Tu penses que je suis ton ami? Tu vas voir aujourd'hui. Maman. Maman, tu vois ce que tu as causé, Odi, là? Tu vois ce que tu as causé? Maman, s'en prie. Maman, ne fais pas ça. Maman, il faut la transporter. Oui, faisons-le. Maman, s'il te plaît, allons-y. Ekene, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème cette fois-ci? Tu es mon problème, Odira. Exact, tu es mon problème. Et je n'arrêterai pas jusqu'à ce que tu fasses le nécessaire. Tu sais, Ekene, je pensais que tu étais fou. Mais là, je vois que tu deviens de plus en plus fou. Tu sais, j'ai gardé silence pendant un bon moment. Et je pense qu'il est grand temps que je donne la plus grande leçon de ta vie. Ekene, si tu oses... C'est toi! Tu ne feras pas une telle chose! Tu ne feras pas une telle chose, Odira! Comment oses-tu? Essaie-le! Essaie-le! Hey! Ekene, tu m'as défié! Essaie-le! Tu m'as défié, Ekene! Je vais voir ça! Tu me défies! Moi, venez de cette maison! Tu m'as défié! Ekene! Je vais te... L'état de santé de maman ne s'améliore même pas un peu. Hein?
Si seulement ce n'était pas pour ton fils inutile, maman. Ton fils très inutile et kené. En ce moment. Bien. On dira. Viens-tu juste citer mon nom? Qui est inutile? Si ce n'était pas toi, est-ce que maman serait dans cette condition, on dira? Maman, comme je disais, avant que ton fils, vagabond, idiot, ne vienne m'interrompre. Si ce n'était pas pour ton fils, idiot, oh, qui n'a pas de respect pour ses aînés. Moi, je suis stupide. Maman ne serait pas dans cette condition. Moi, je suis stupide, ok? Et Kenny, si ce n'était pas pour la mémoire de papa, ah, je t'aurais enterré vivant. Dieu le sait. Non, mais... Oh, maman. Hey. Hey, maman. Maman, tu sais très bien que je suis un homme de paix. Tu le sais bien, maman. Je n'aime pas la violence. Mais ton fils est ici présent. Tu es un homme de paix. Tu es un homme de paix, mais tu ne peux pas faire ce qui est nécessaire. Vous pouvez arrêter. Vous ne pouvez pas stopper avec tout ça. N'est-ce pas que c'est à cause de vous que maman est devenue dans cette condition? C'est quoi ça? Tu as entendu? Idiot que tu es. S'il te plaît. Maman, calme-toi. Ne le bats plus. Oui, maman, je le ferai. Pardon, je le promets, je ne peux plus jamais. Plus jamais je vais le promettre. Maman, je ne lèverai plus la main sur lui. Je te le promets, maman. Attends, tu es vraiment sûr? Si je t'attrape, si tu... Maman? 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 Maman, garde tes prédications pour ton fils là, pas moi! Pas moi! S'il te plaît, un enfant ne peut pas avoir des oreilles. Vous voyez comment il est fou et inutile, vous voyez? Maman, s'il te plaît. Maman, ça va aller. Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, ça ira. Maman, tu veux un peu d'eau? Un instant, je t'apporte à boire. Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, appuie-toi. Ça ira, maman. Ça ira. Cher oncle, mon garçon, comme je le disais, cautionnez Odera. Parlez-lui, parce que j'en ai assez entendu. Parce que si je me mets à parler maintenant, tous les villageois commenceront à dire « Ekene est ceci, Ekene est cela, Ekene a fait ceci, Ekene a fait cela. » Oncle, parlez-lui, je vous prie. Ekene. Oui, oncle. Tu ne dois pas oublier que Gérard est ton grand frère. Oncle, je le sais. C'est ce pourquoi j'ai dit que vous devriez lui parler. C'est là tout ce que je veux. Très bien. Je vais l'inviter. Tu peux partir maintenant. Très bien, oncle. Calme-toi, juste... je vais l'inviter. Je vais l'appeler. Appelez-le, parler avec lui, oncle. Ici. Les enfants d'aujourd'hui, toujours compliqués. Aujourd'hui dans tel et demain dans tel ou tel problème. Bon, je vais appeler Gérard et je vais l'écouter. Mais pourquoi ton frère se comporte de la sorte? N'est-ce pas qu'il est censé être à tes côtés pour te soutenir? Ma chérie, s'il te plaît, oublie un peu mon frère. Hein? Je sais comment le gérer, il se comporte juste un peu comme un adolescent, comme un enfant. J'ai pris que ça marche, parce que je ne veux pas qu'il vienne gâcher notre plan de mariage. Non. Oublie un peu mon frère, s'il te plaît. Hein? Je sais comment le gérer moi-même. Hein? S'il te plaît, que cela ne te dérange pas. Es-tu sûr? Oui. Puisque ça me fraye. Vous voir tous les deux en train de vous battre juste à cause de moi, ça ne m'arrange pas du tout. Et si réellement tu m'aimes, s'il te plaît, ne te bats plus avec lui. Tu sais quoi? Tout va bien. Je te promets que je ne lèverai plus jamais la main sur mon frère. T'es sérieux? Je te le promets. Allez, maintenant fais-moi un bon bisou. Voilà. Alors, comment va maman? Pas mal. Maman va très bien. Tu sais que nos plans pour le mariage arrivent très vite.
Kenny. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Oui, je vais très bien. Je t'ai apporté ceci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Egodi, je vais rentrer maintenant. Je m'étais dit de t'apporter ceci, donc. Donc, je reviendrai plus tard dans la soirée. Ok, pas de problème. Je t'en prie, n'oublie pas de saluer maman et Odira. Oublie de lui dire de venir me voir aujourd'hui. Si tu le vois, est-ce que tu peux le rappeler pour moi? Viens-tu juste de mentionner Odira maintenant? Oui, c'est un problème. Non, aucun problème. Je rentre maintenant. Ok, merci beaucoup. Merci. Grande sœur, il faut me donner aussi un... Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Vous sortez comme si on vous avait appelé. Allez, arrête. Qu'est-ce qu'on t'a apporté? C'est pas le problème. Grande sœur, attends, non, entrez voir. Avais-tu fait une chose pour nous? Si je veux voir. Grande sœur, ne sois pas méchante. Sois gentille. Arrêtez de me déranger. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Laisse-moi. Bien, Odira. Pourquoi as-tu juré à ce point de détruire ta propre vie ainsi que celle de cette famille? Donc tu es quand même allé parler à Ego après toutes les fois où je t'ai mis en garde de rester très loin d'elle. Tu es quand même allé lui parler, n'est-ce pas? Tu sais, Ekene, j'ai remarqué que tu es vraiment fou. Si ce n'était pas pour Ego Day, à qui j'ai promis de ne plus jamais frapper l'enfer qui vit en toi, en ce moment, tu serais en train de recevoir une gifle mortelle de ma part. Oh! N'es-tu pas le bâtard à qui tu je parlais? Ekene! Je n'ai pas. Je n'ai pas peur de toi, oh! Je n'ai pas peur de toi, oh! Parle encore! Maman! Pourquoi vous me faites ça, oh? Arrêtez, Ekene! Ekene! Odira! Ne vous battez pas, vous êtes frères! Ne vous battez pas, pardon! Ne me tuez pas, oh! Arrêtez! Ne vous battez pas! Ekene! Odira! Grand frère, regarde la condition de maman et vous continuez toujours à vous battre. Mais la condition de maman fait quoi enfin? Ces garçons profitent pour me manquer de respect. Ils pensent cela comme un prétexte. Vous me manquez de respect. Arrêtez, et Kenny, si tu oses encore dire quelque chose, tu verras ce que tu vas te faire. Vous voyez maintenant. Maman, interdit ton fils, oh! Interdit juste ton fils! Ce que je vais faire, d'ailleurs, je vais lui enseigner une leçon dans cette maison qu'il n'oubliera jamais. Vous voyez maintenant ce que vous faites. Maman. Vous risquez de maman, tuer s'il te maman. Plaît. Je ne voulais pas faire ça, maman. Vous s'il te plaît. De vous maman. Battre, vous maman. Ne voulez pas écouter. Je ne l'ai pas touché, oh. Je ne l'ai pas touché, maman. Maman, maman, réveille-toi. Pourquoi t'envisager comme ça, mon fils? Mon oncle. Chez nous, on dit ce que les aînés peuvent voir, même quand ils sont assis. Les jeunes ne peuvent pas les voir, même s'ils vont sur le sommet d'une montagne. Et mon oncle, moi je vois maintenant. Tu ne peux pas voir ce qu'Ekene fait. Oui. Mon oncle, tu ne vois rien. Mais comment est-ce que Ekene, mon jeune frère, il me regarde droit dans les yeux et il me dit qu'il va me tuer. Ekene est en train de me défier. Mon oncle, comment est-ce que la fille à qui j'ai promis le mariage, la fille à laquelle je suis fiancé, Ekene veut me la prendre? Je ne comprends pas. Mon oncle se dit, Ekene, ce qu'il fait, ah! Si je vois Ekene, non, ce que je lui ferai, que personne ne me blâme dans ce village. Que personne n'ose me blâmer dans ce village. Calme-toi. C'est parce que je respecte, mais que personne n'ose me blâmer dans ce village. Oui, calme-toi d'abord. Calme-toi, mon fils. Mon fils, il faut que tu apprennes à te contrôler. Et il ne faut jamais oublier que c'est toi l'aîné. Mon oncle, c'est ce qui m'énerve encore le plus, c'est ça. C'est ce qui m'énerve encore le plus, mon oncle. C'est mon jeune frère qui me fait ça. Il faut te calmer. Il faut te calmer, tu es les grands frères. Mon oncle, c'est seulement à cause de la mémoire bénie de notre papa que moi je te respecte, mon oncle. Oui, je sais. Mais sinon, Ekene, c'est que je lui ferai. Oui, c'est pourquoi tu mais dois te Ekene, calmer. Ah, non, si seulement je vois Ekene, c'est que je lui ferai.
Ekene, ne réagis pas comme ça. Tu m'as compris. D'accord, mon oncle. Moi, je m'en vais. Mon oncle, au revoir. Mon ami, écoute-moi. Tu es la seule amie que j'ai. Écoute mon conseil. Tu dois arrêter de faire ce que tu fais avant que cela ne devienne pire. Mon ami, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je t'ai dit que j'étais une menteuse invétérée. Je sais comment le gérer. La seule chose qui me dérange est le fait qu'il se batte à tout moment. Egodi, tu es mon ami. Sache que je te dirai toujours la vérité. Toi seul, tu peux arrêter ces problèmes. Comme ils se battent tous deux à cause de toi, pourquoi tu ne fais pas ta vie? Hein? Il y a beaucoup d'hommes là-dehors qui voudront t'avoir comme leur femme. Ah, Okadi, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon ami, tu dois leur dire que tu n'es plus intéressé, tu ne veux plus avoir des relations avec l'un d'eux. Ainsi, tu n'auras plus d'autre choix que de faire ta vie. Hein? Ah, ma chérie, tu as fait un point essentiel, mais est-ce que ça marchera? Tu dois commencer par essayer. Oh, c'est bien. Hein? Oui, allons-y. D'ailleurs, j'avais déjà préparé cette nourriture. Hein? Egodi, que veut dire ceci? Ekene, calme-toi. Pourquoi nous as-tu emmené ici? Odura, s'il te plaît, je n'aimerais pas que tu me mécomprennes. Mais la vérité est que je ne peux plus continuer à vivre de cette façon. Je sais que vous m'aimez tous les deux. Vous avez commencé à prendre soin de moi depuis la mort de mon père. Croyez-moi si je vous dis que j'apprécie tout ce que vous faites. Dès à présent, je ne crois pas que je vais encore continuer de m'embrouiller avec vous. Nous devons mettre fin à toutes ces choses. Je vais aller dans ma famille maternelle pour rester avec mon coudé. Donc c'est pour ça que tu m'as appelé ici? Oui. Hein? C'est pourquoi tu m'as appelé ici? Donc tu vas oublier tout ce qu'on a partagé? Hein? Et qu'en est-il de moi? Egodi, qu'en est-il de tous les sentiments que nous avons partagés ensemble? Tu veux maintenant tout oublier à cause de ces lunatiques inutiles? Egodi, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît. Si tu la touches encore, je vais t'enterrer ici vivant. Ekene, tu n'as pas perdu la tête. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez. Mais il doit au moins me laisser terminer ce que je dis. S'il vous plaît. Que veut dire tout ça? Tu veux qu'on en finisse ici? Hein? Ekene, arrête. Au fait, quand même, je passe tout mon temps avec... Bébé, allez, ne me fais pas ça, elle n'est pas ton bébé, arrête de l'appeler comme ça. Hein? Tu risques quand de te gifler si tu continues avec ça. Tu vois ce que tu as causé, n'est-ce pas? Qui est ton bébé? Non, mais tu vois ce que tu as causé là-bas? Tu vois ce que tu as encore causé, n'est-ce pas? C'est ma façon que tu as un bébé comme ça. Tu vois ce que tu viens de causer? Qui est ton bébé? Qui est ton bébé? Ok, comme tu l'as cherché, tu l'auras. Tu l'as cherché toi-même, tu l'auras. Comme tu l'as cherché, tu l'auras. Tu l'auras. Ma chérie, ce que j'ai vécu, tu ne croiras pas. Ils se sont mis à se battre à ma présence. Bien. Non, ce n'est pas possible. Que vas-tu faire à ce point? Je ne sais rien, je n'en ai aucune idée. Je suis tellement confuse. Egodi, veille sur ta langue. Veille sur ce que tu dis. Veille sur ta langue. Veille sur ce que tu dis. Ce n'est pas trop louche. Que voulais-tu que je fasse quand deux frères d'une même famille m'efforcent à avoir une relation avec eux pour qu'ils finissent à se battre tout le jour? Dis-moi si tu ne seras pas comprise. Franchement, je ne sais pas de quoi tu parles. N'essaie juste pas de me mener dans toutes les affaires qui concernent le Dieu. Allez, va tente n'importe quoi. Ok, oh. Odura, bonjour. Je suis là. Il y a quoi de bon avec le jour? Non, dis-moi, Okachi. Et pourquoi m'as-tu appelé ici, d'ailleurs? N'est-ce pas que c'est évident? N'est-ce pas que c'est évident que je t'aime? Hi. Mais qu'est-ce que je vis comme ça?
Okachi, tu as perdu la tête? Non, as-tu perdu la raison? Okachi, je t'ai déjà plusieurs fois dit que c'est Ego dit ton ami que moi j'aime. Tu ne peux pas venir jusqu'ici me raconter tout ça. Mais c'est quoi ça? Assez avec Ego dit. C'est toujours Ego dit, à chaque fois. Et tu es obligé de mentionner son nom à chaque causerie. Oh Dora, je suis follement amoureuse de toi. Tu veux que je fasse quoi? Suis-je pas assez belle pour toi? Regarde-moi bien. N'est-ce pas que ça te va? Comment veux-tu que je le dise? Okachi. Il n'y a aucun doute. Tu es une très belle jeune femme. Que tout jeune homme voudrait avoir comme sa partenaire dans ce village. Mais pour l'homme qui est devant toi ici, tu n'es pas son rêve. Okachi, garde ça dans ton crâne. Si ce n'est pas Egodi, ça ne sera jamais toi. Mais dis-moi un peu, c'est quoi tout ça, non? Tu ne peux pas trouver un autre homme que moi? C'est quoi ton problème? Ah, Odora, s'il te plaît, je t'aime. Hein? Comprends-moi, l'amour, c'est non? Tout ce que tu sais. L'amour que tu viens de prononcer là. Et c'est ce qui va te tuer. Ne me touche pas! C'est l'amour même qui va te tuer. Et tu es folle ou quoi? Tu as perdu la tête. Odora. C'est comme si tu n'as encore rien compris. Touche-moi encore. Hey, je vais te faire du mal. N'importe quoi. Mais normalement, tu ne dois pas être en train de courir derrière mon frère quand même. Mon frère, là que tu vois, est préoccupé à autre chose, à une autre fille. Et toi, tu veux te donner la moire à cause de lui. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé, mon ami. Viens, ce n'est pas ta faute. Mais, s'il te plaît, je veux que tu me dises la vérité maintenant même. Parmi les deux, dis-moi, qui est celui que tu aimes autant? Qui est celui qui te fait battre le cœur à la chamade? Ozioma, je suis désolée pour tous les problèmes qui se passent dans ta famille dont je suis l'auteur. Tu sais que c'est Odora que j'aime puisque nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Je me suis rapprochée à Ekene parce que c'est le petit frère d'Odira. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive à ce point. Je n'étais pas sûre qu'il allait tomber amoureux de moi. Je suis vraiment navrée. Excuse-moi. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Merci beaucoup. Ok? Ok. Odora et Ekene, mes fils. Maman? Je vous ai appelé Maman. Ici dehors pour savoir la chose qui fait en sorte que vous vous battez à tout moment. Mmh. C'est quoi ce problème, s'il vous plaît? Faites-le moi savoir. Ce n'est pas normal de voir deux frères d'une même famille se battre à tout moment. Maman, je n'apprécie pas comment vous avancez avec cette histoire. Ça veut dire quoi se battre? Quand un petit enfant se comporte mal, il faut qu'il se fasse taper comme il faut. Maman, Ekene a décidé de mal se comporter. Et c'est comme ça que moi je me suis mis à les taper régulièrement. Comment puis-je me battre avec mon petit frère, maman? Ça s'appelle pas la bagarre. C'est plutôt moi qui le tape dessus. C'est pour le corriger. Maman, est-ce que je peux imaginer si ce n'était pas pour Egodi? Je le vois chaque jour ma main sur elle, sur lui. Oh, c'est donc à cause d'une femme que mes deux fils se battent. Ah. Maman, c'est une femme. Hein. Le pire dans tout ça est que la femme en question n'aime pas le frère Ekene. C'est le frère Odura qu'elle aime. Oh! Ekene, comment tu peux aimer une femme qui ne t'aime pas? N'est-ce pas que c'est ridicule? Comment tu peux faire des choses comme ça? Hey! Mon frère, je suis désolé pour tous les troubles que je n'ai pas arrêté de te causer. Puisqu'elle a dit qu'elle t'aime toi et qu'elle veut vivre avec toi. Alors, je suis vraiment désolé. Oh, viens là. Il n'y a pas quelque chose dans mes oreilles là-bas? Non, il n'y a rien. Est-ce que j'ai entendu mon frère? Hey! Maintenant, vous comprenez? Vous savez quand? Maman, je viens de le dire, n'est-ce pas? Deux ou trois gifles que je lui donne, c'est pour corriger son cerveau, maman. Mon petit frère est maintenant de retour. Hey! Oh, mon frère! Viens là, mon frère! Oh, mon frère!
Merci. Cette gifle que je lui donne, c'est pour corriger son cerveau. Voilà le résultat. Ok. C'est seulement parce que je te respecte. Sinon, normalement, j'aurais. Tais-toi, assieds-toi là-bas. C'est de ça que je parle. Bien, grand frère. Tu viens de poser un très bon axe dans la famille. C'est tout ce que moi je veux. Hein? Quand les plus jeunes respectent les aînés. Depuis que nous avons perdu notre père, j'ai la décision de devenir la tête de cette famille. Et ça ne sera pas bien. Qu'est-ce que les gens dans le village vont dire? Que mon petit frère est en train de me tenir tête. Oh, les dieux de notre terre, je vous bénis voilà. Pour avoir ramené mes deux fils encore ensemble pour vivre en harmonie. Je vous suis reconnaissante. Mon cœur est encore dans la joie. Écoute, maman. Maman, attends, s'il te plaît. Mon fils. Ekene, que ça ne soit pas comme si je me trompais un peu. Appelle-moi un peu. Comment tu m'appelais? Comment déjà Frère, non? Oh, mon frère. Hey, comme je suis heureux. Qu'est-ce qu'on dit tous ici? Hein? Non, ça c'est mon frère qui me parle. En tout cas, je suis très heureux. Mon frère. Chai. Grand frère, donne-moi un peu d'arachide, non? Ah, bien sûr, prends. Au nom de notre famille. Ah, au nom de notre... Tu ne croiras pas. Ekene a abandonné l'affaire. Il a promis de soutenir Odora dans son plan de mariage. Attends. Tu veux dire qu'Ekene a jeté l'éponge? Oui, et très bientôt, il va venir payer ma dot. Je suis là. Tu nous avais vraiment trop manqué. Je suis très contente. Ok, je suis contente pour toi, mon Merci. Ami. C'est bon, je m'en vais maintenant. Ah, ah, et tu rentres déjà? Je crois que tu étais venu pour composer un peu du temps ensemble. Ah. Oh oui, mais mon ami, j'ai des maux de tête, j'ai des douleurs dans tout mon corps. Je ne sens pas du tout en forme. Je crois que je dois rentrer à la maison pour me faire traiter. Si laisse-moi te mon faire quelque part dans ce cas. Ne t'inquiète pas, juste sois calme, d'accord? Je vais prendre soin de moi-même. Es-tu sûre? Oui, peut-être demain on ira faire un tour. Ok, bye c'est bye. Bon, dans ce cas, demain. On le fera demain. Ah, merci Seigneur. Ah, grande sœur. Oui. Je t'ai entendu parler avec ton amie. Elle m'a dit qu'elle a mal à la... Ah, ok. Je voulais juste la saluer. J'en vais partir. Ok, c'est bon. Thank you.
dieux de notre terre. Pourquoi je n'ai pas toujours de la chance, moi? Alors que tout s'étendait déjà à être brisé, et qu'Ené revient encore sur la scène. Non, je ne laisserai pas Okodi de se marier avec l'homme de mon rêve. Non, ce n'est pas possible. C'est soit Odira ou personne. Je crois que je dois aller chez lui. Ah, mon frère, je suis fatigué. On doit faire ce côté-là aussi? Partout là, j'ai déjà tout terminé. Oui, je vois. Cette place, c'est ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Mais apparemment, ce n'est pas fini. C'est vrai ce que tu dis? Oui, mon vieux. Ok. Laisse-moi juste finir avec cet endroit, comme ça, on va partir. Je ne prendrai pas trop de temps, hein. D'accord. Comme ça, on ira faire aussi de l'autre côté là-bas. D'accord, fais vite. Va déjà jeter un œil. Ok, je vais de l'autre côté. Frère Odi, tu veux me tuer? Je peux pas me tuer comme ça. On fera cette partie demain, s'il te plaît. Ah, maman, où est-ce que tu vas comme ça? Oh, je me dirigeais au champ pour voir comment vous travaillez. Oh, maman, mais c'est quoi tout ça? Dis-lui. Tu fais quoi là? Tu n'étais pas encore bien rétabli, maman. Tu sais très bien que tu ne te sens pas encore bien. Ah, s'il te plaît, maman, reste à la maison. S'il te plaît, n'y va pas. Laisse Kenny et moi faire ce travail-là. Ah, s'il te plaît. Je me sens juste préoccupée à votre sujet. C'est tout simplement. Maman, ça. C'est bon maintenant. On est de retour. Maman. Oh, ma fille. Ah, ça va? Ego. Oh, tu as pensé nous rendre visite aujourd'hui? Et tu n'as même pas pensé à m'apporter quelque chose. Je ne parle pas de grand frère Obira ainsi que maman. Oh. Je parle de moi-même. Oh. Oh, je fais quoi encore? Voilà, tu fais que penser à la nourriture. Tu sais que j'aime la nourriture. Non, pourquoi de t'apporter quelque chose? Ne vous inquiétez pas, quand je viendrai prochainement, je vais me rassurer de vous amener des trucs. D'accord. Tu vois, maintenant ça, c'est tu ma causes, belle c'est fille, bien. Maman. Allez, viens ici. Merci beaucoup. Merci de ramener la joie dans ma famille. Es-tu sûr que tu as pris une bonne décision? Es-tu sûr que Odora est un bon choix Grande pour sœur, toi? Grande sœur, nous partons. Grande sœur, nous partons. Ok. Ne prenez pas beaucoup de temps en haut. Oui, d'accord, grande sœur. Revenez à l'heure, je ne vais pas commencer à vous chercher. Ok, c'est bon. Écoute, mon ami, je crois que tu dois prendre le temps de réfléchir. Je ne veux pas que ton avenir soit malheureux, Okachi. Je n'ai rien à réfléchir là-dessus. Je suis heureuse avec lui. J'aime sa famille. Sa famille est juste spéciale. C'est le genre de famille que toute jeune fille aimerait entrer. La famille est très particulière. Ok, c'est bon. J'ai soif. Je vais prendre de l'eau. Tu as soif. Tu ne sais plus où prendre de l'eau. Toi, cette fille, tu es tellement têtue. Non, dis-moi juste que tu es une étrangère. Comme ça, je me le verrai pour toi. Je pense que tu auras un trophée parce que tu restes toute la journée à la maison en train de regarder. Osioma!
Ozioma! Pourquoi tu m'appelles? Ozioma, je t'ai entendu m'appeler, tu dis que tu ne m'as pas appelé, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ozioma, tu m'as appelé. Ozioma, tu m'as appelé. Ozioma, tu m'as appelé. Ozioma, tu m'as appelé. Arrête de jouer, s'il te plaît. Tu parais bizarre, grand frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as appelé. Mais qu'est-ce qui se passe, juste? Tu t'as entendu m'appeler. Frère Odira, qu'est-ce qui se passe, juste? Photo. Hey! Odi, mais qu'est-ce qui se passe, juste? Ozioma m'a appelé. Ozioma m'a appelé. Mais grand frère, qu'est-ce qui se passe, juste? Arrête ça! Arrête ça, mais qu'est-ce qui se passe, juste? Serait dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Mais grand frère, arrête ça, non? Ekene. Oui. Tu sais quoi? Photo. Mais c'est quoi tout ça? Grand frère Odi, non mais arrête avec tout ça, non? Odi, qu'est-ce qui se passe plus, juste? Je ne comprends rien, j'étais à la maison. Quand j'ai commencé à l'appeler, en sortant, je l'ai vu. Agir. Grand frère, arrête ça, non? Ekene. Pourquoi tu fais ça? Grand frère, arrête ça, non? Ekene, go. Arrête de jouer, arrête de jouer comme ça, non? Oh! Ekene, Ekene, est-ce que tu m'entends? Arrête ça, arrête avec ça! Ego di yali yali le. Arrête avec ça. Oh, allez, arrête avec ça. Non, mais arrête. Mais qu'est-ce que tu as comme ça? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ego di. Doucement, arrête s'il te plaît, ça va. Oh, grand frère, arrête ça, non? Aidez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, aidez-moi. Avec Ego di. Je veux me laver. Je veux me laver. Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi. Essayez de revenir. S'il te plaît. Aide-moi. Aide-moi, je t'en prie. Pose-le là, s'il te plaît. Grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste follement. Ça va aller. Reste tranquille, ok? Ça va aller. Non, non. Ne me fais pas ça, s'il te plaît, grand frère. Pourquoi ça, grand frère? Mon ami, tais-toi. Oh, mais bon. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. C'est pas le moment. Comment tu peux te comporter comme ça? Sois un homme. Tout ce que tu dois faire, c'est consoler ta mère. Ainsi que ta sœur. Calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de pleurer comme un bébé. Chérie. Non, mais qui a bien pu faire ça, mon propre frère? Mon unique frère. Je le jure sur les dieux de notre terre. Quiconque a à avoir affaire avec ça. Dois payer. Tu crois que j'ai l'air content? Quand je vois mon ami ainsi, sérieux, ce n'est pas du tout beau à voir. Je suis pas content. Mais ce problème, je dois vraiment aller à la source de ce problème. Je dois vraiment aller faire des recherches. Parce que quel que soit celui qui a pu faire ça à mon ami, hein, cette personne saura pourquoi est-ce que je suis appelé Ibé dans cette communauté. Ibé. Ego dit, ça va aller. T'en fais pas, il ira mieux. Seigneur, viens notre aide. Ego, arrête de pleurer. Il ira mieux. Pour cet homme ici, je découvrirai qui a fait ça. Je découvrirai qui a fait ça. Parce que je ne supporterai pas de voir mon ami se jeter par terre comme ça. Regardez-le un peu. Un grand homme comme lui. Ça va aller. Ça va aller. Nous connaîtrons la racine de sa folie. Seigneur. Seigneur, parle-moi. Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Partage-le-moi, non? Odora est devenu fou. Odora est devenu fou. Il est devenu complètement fou. Non, s'il te plaît, essaie de te calmer. Allez, relax, mon ami. Tu dois te ressaisir. Trouvons une solution. Je ne devais juste pas me mêler dans ces affaires. Je ne sais pas si c'est à cause de la terre. Je ne sais rien. Je ne comprends rien du tout. Oh mon Allez, Dieu, je suis finie. Je suis finie. Qu'est-ce que tu veux faire? Essayons de trouver une solution ensemble. Tu sais qu'il peut être rétabli aussi grâce terre, à toi. Venez à mon Mais déclenche pas seulement dans le pleur. Essaye de te ressaisir pour qu'on trouve une piste ensemble. Non, ma chérie, ne veut pas qu'il y ait une solution à chaque problème. Ogudi, ah, s'il te plaît, Dieu, écoute-moi. Pourquoi c'est ne te fais moi. Pas de mal, oh. Non. Et...
ma chère. Ne penses-tu pas que quelqu'un serait derrière la folie des Odura dans ces villages? Hein? Qu'en penses-tu? Hé, c'est à moi que tu demandes. Hé, ma chère, te poser la question ne fait pas savoir que je connais la vérité. Alors ne te permets pas d'aller raconter n'importe quoi dans tous les villages qu'on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Pardon, c'était juste une question de curiosité. Oh, quoi? S'il te plaît, écoute ce que tu racontes. Entre moi et toi, c'est qui la commère? N'importe quoi. N'ose plus me raconter de sottises. Tu cherches le nom de qui tu vas aller commérer dans tous ces villages avec tes amis. Pas moi, tu ne mourras pas haut. Dis ma fille, tu dois voir comment refaire ta vie. Maman, je te comprends, mais ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Egodi, le médecin a dit qu'ils n'ont plus rien à faire pour son cas. Ma fille, c'est pourquoi tu dois apprendre comment faire ta vie autrement. Maman, je ne vais pas aller ailleurs. J'aime beaucoup cette famille. Je ne partirai pas. Je n'en ai pas du tout envie. Je vais épouser Kenny. Tu veux épouser Kenny? Oui. Oui, maman. Je vais épouser Kenny. Viens, viens.
Tu es très amusant. Je sais. Et toi, tu es très mignonne. Allez, viens là. Oh, tu sais quoi, chérie? J'adore tes lèvres. Allez, viens là, s'il te plaît. Allez, encore un peu. Ah! Okachi, comment vas-tu? Ah! Oh, mais... Qu'est-ce qu'il a comme ça? C'est comme ça qu'elle se comporte depuis un moment. Ah, es-tu sûr que vous ne vous êtes pas querellé? C'est querellé. Je ne me rappelle pas d'où nous nous sommes querellés. Oh, pardon. Oh, pas grave. Viens là. Allez, viens de toi-même. Viens. Allez, allez reviens ici. Reviens. Ah, reviens ici tout de suite. Allez. Ah. Ah, tu vois, je t'ai eu. Allez, arrête, allez, viens, viens, je te porte. Allez, viens là. Attends, descends. Allez, reviens. Et voilà. Allez, t'es lourde. Hey! Egodi! Hey! Hey, Egodi! Hey! Ego! Ego! Ok! Hey! Hey! Hey. Egodi, hey, t'en fais pas, hein? On va bientôt se marier. Hey! Hey! Egodi, hey, mon amour! Egodi, hey, mon amour, ça va? Dis-moi, comment tu vas? Comment tu me trouves? Hein, dis-moi. Sérieux, c'était toi? T'es en train de manger les arachides sans pour autant m'appeler. Hein? Allez, je pensais que tu dormais, non? Alors je me t'ai dit de ne pas te déranger. Non, mais est-ce que t'es mignonne? T'en veux? Allez, passe-le-moi. Attends. Attends, prends-la. Attends, je vais te... Vas-y, dis-moi, comment était la journée? Ça va, oh. Pas grand-chose. Maman est là. Bienvenue, maman. Maman, bienvenue. Quelqu'un a récupéré pour moi le bassin que j'ai laissé derrière la maison. C'est vrai. Je sais, laisse-moi aller prendre ça, maman. Laisse-moi aller le prendre. Non, laisse-moi. Maman, t'en fais pas, je vais aller le... Il n'y a pas de souci. Maman, je vais le faire. Non, ne te dérange pas, laisse-moi faire. Maman, es-tu... Un instant.
Chérie, qu'est-ce que rien c'est? Rien du tout, rien du tout. Evo, qu'est-ce qui ne va pas? Ekene, ce garçon ne sait pas prendre soin de la parcelle. Vraiment, ça c'est une poubelle ou quoi? Derrière la maison, trop sale comme ça. Ça c'est quoi ça? Les casseroles, mélangées avec les ordures. Ekene est toujours lourd. Il n'a jamais été souple depuis son enfance. Vraiment, cet enfant, il ne change pas. Ekene, franchement, non, ce n'est pas possible. Regardez-moi ça. Et Anguini, quoi? C'est étrange ici. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Je ne me rappelle pas avoir posé un truc là-dessus. Ketchuku, c'est très bizarre. Ça, c'est quoi ça? Mon amour, yoli, yoli, yoli. Ego di, yoli, yoli, yoli. Odira, regarde où tu en es arrivé. Odira, je t'ai supplié. Si tu m'avais au moins marié, si on s'était mariés ensemble, tu ne serais pas dans cette position. Puisque tu as préféré épouser Ugodi, vois les conséquences. Ukachi, dis-moi un peu, attends. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as appelé mon nom? Pourquoi tu me poses une question stupide comme ça? Ce n'est pas toi. Ah, mais je fais quoi ici? Ukachi, où est Godi? Qu'est-ce que tu vois là? Uka? Ibe, mais il m'a reconnu. Odi? Ibe? Odi? Ibe, mais ça veut dire quoi tout ceci, non? Qu'est-ce que je fais ici? Étrangeau. Hey, oui. Hey, Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi un peu. Mais expliquez-moi s'il vous plaît. Pourquoi suis-je comme ça? Odora, tu es rétabli. Hey! Pourquoi des questions stupides comme ça? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi suis-je dans cet état? Non, mais comment est-ce possible, non? Tu peux pas poser ce genre de questions. Mais mon cher, tu es devenu fou. Odora, Odora. Les dieux Odora. De notre terre. Mon ami est de retour. Est-ce que tu... Hey! Tu me reconnais? Ukachi, non, arrête de me poser cette question. Ibe, mais dites-moi ce qui se passe. Ah, où est Godi? Où est mon frère? Allons. Où est ma mère? Mon Dieu! Allons dans sa famille. Mon ami est de retour, enfin. Que les dieux soient loués. Viens. Comment pouvais-tu devenir fou juste comme ça? Les dieux de notre terre. Kenny. Kenny, tu... Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment? Quoi? Ah! Maman m'a tué! Maman, tu m'as... Ekene, qu'est-ce qu'il y a? Quoi ça? Faites descendre l'habit. Ekene, tu as quoi? Ekene! Ekene, tu as touché au fétiche. Maman! Maman! Tu es belle! Ekene, qu'est-ce qui se passe? C'est moi. Allons-y là. Oui, c'est moi. Ekene. J'aime bien ça. Ekene.
Sérieux, arrête ça, arrête ce que tu fais là. Ekene? Ekene! Non mais arrête-moi ça, sérieux. Ekene, oh! Ekene? Arrête ce que tu fais là, sérieusement, parce que je n'aime pas ça du tout. Ekene, sérieux, arrête ce que tu fais. Hey! Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Pourquoi vous poursuivez mon frère comme ça? Ekene? Oui, oncle. Ne combats pas ton frère. Tu ne peux pas le battre. Je te montrerai comment le vaincre. Oncle, oncle, es-tu sûr? Fais-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Oncle, je te fais confiance. Je te fais confiance. Oui, mais bien sûr. Ne t'inquiète pas. Je sais très bien ce que je vais faire pour toi. Hein? Fais-moi confiance. Hey. On y est déjà presque. Ne t'inquiète pas, nous sommes presque arrivés. Nous arrivons dans quelques minutes. Suis-moi seulement. On y est presque. Attends. Attends, écoute-moi. Écoute-moi. C'est le chemin. Hein? Oui, oncle. Mentionne tous tes problèmes. Oui. Il faut tout le dire. Bien sûr, oncle. Il ne cite pas mon nom. Ok. J'espère que tu m'as bien compris. Allez, vas-y. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y. Arrête-toi! Je sais pourquoi tu es là. On dira ton frère et la réincarnation de Nkemba. Nkemba Belowa. Aucun homme né d'une femme ne peut le tuer. Va-t'en avant que la fureur de Dieu ne tombe sur toi. Mais, elle dit bien. Va-t'en! Avant que tu ne sois frappé de folie. Je ne peux pas laisser cela arriver. Non. Mais que devrais-je faire maintenant, oh? Un grand prêtre a dit qu'il ne peut même pas être tué. Que puis-je donc faire d'autre? Je te hais, Odira. Je te hais, toi! Je souhaite juste que tu puisses disparaître de la surface de cette terre, afin que je puisse avoir ego direct pour moi. Mais bien sûr que tu ne veux pas ça! Je te hais, c'est tout! Que puis-je faire d'autre maintenant?
Prends ceci. Quand tu arrives à la maison, accroche-le quelque part. Ne permets pas à ce que ça touche le sol. Parce que si seulement ça touche le sol, la folie de ton frère te sera transférée. Mais aussi longtemps que ton frère sera fou, Egodi sera à toi. Merci, aisez-moi. Merci, merci. Tu peux t'en aller. Dépêche-toi. Aisez-moi. Je vais rentrer maintenant. Merci beaucoup. Ta maman? Hey! Hey, Ekene! J'ai maudit les jours de ta naissance! Ekene! Hey! Ekene! Je n'ai jamais su que tu étais aussi méchant! Et je porte ton nom! Hey! Maman, allez, je viens, suis ma fille. Finie! Maman, viens. Je suis foutue! Viens avec moi! Maman! Hey! Maman! Okachi, s'il te plaît! Ne me quitte pas, s'il te plaît. Si je pouvais avoir les yeux ouverts depuis tout ce temps, tu es resté à mes côtés, même pendant que les autres avaient fui. Oui. Okachi. Je te serai toujours reconnaissant pour tout ce que tu as eu à faire pour moi. S'il te plaît, pardonne mon ignorance. Et s'il te plaît, fais-moi le bonheur de... accepter d'être ma femme. Je vais t'épouser. Je t'aime, Odora. Mon fils. Oh, mon fils. Vous m'avez beaucoup manqué. Ma petite sœur. Oh, Bib! Ibé! Oh, Bib! Hey! Donc, Eke est fou. Hey, on viendra me chercher ici. Hey, si je reste là, hey, on viendra m'attraper ici. On me tuera. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.